Et les amis, on se rejoint pour une vidéo là. On va faire des Gold 4. Donc on a vendu là, c'est TDC. On a vendu 3 stuff. Dans les 3000, 2000. 3000 et quelques. Ça fait quand même presque 10K. Là, on récupère de la trésorerie. Je pense qu'on va refaire peut-être une monture parce qu'on a une orbe qu'on n'a toujours pas utilisée. Du coup, épaule, gilet et grève. Voilà. Il y a les stocks d'avance. En plus, je crois que j'avais pas tout remis. Et au curisto, ça dit quoi, mec? Ça joue pas Heroes là? Avec Galwin? Dit quoi, mec? On essaie de faire des petites vidéos YouTube là pour expliquer, faire un suivi. Prendre bronze à prêter, bah, frère. Jamais vous jouez avec moi, jamais. Combien de fois je suis venu, je t'ai proposé, vous m'avez aidé. Vous m'avez pas aidé, donc non, c'est bon. Hein. Moi je prête plus de compte, surtout pas à des gens que je connais pas. Non, pour moi, vous êtes des gens que je connais pas. Hein. On joue jamais ensemble, rien. Non, moi je peux jouer avec vous si vous avez des coins de bronze. Jouer ensemble. Moi, je suis sûr de faire des parties, mais je prête pas de compte. J'ai plus de compte de toute façon. J'ai plus rien. Je joue que sur ce compte. Moi. Le compte, c'est mort. C'est exceptionnel. Quoi, tu veux jouer en bronze, c'est pour ça? Quoi, t'as pas de compte bronze, toi? Comment vous démerdez aussi? Comment vous démerdez, c'est ça la question. Bon, c'est la normalité. Les gens vont. Non, mais je te jure, prêter des comptes là, c'est mort. J'ai eu un problème de hacking là. Je prête plus de comptes. Mais toi, si t'as pas de compte bronze. Mais on peut faire des parties rapides si tu veux. Moi, je dois faire 3 parties rapides. Je dois faire 3 parties rapides, on peut faire ça. Hein. Parce que j'ai pris un truc là. Après on verra, après ouais, après pourquoi pas. Là. Je vais en acheter un. Tu vas l'acheter carrément. Tu veux que je te le vende mon compte? Un compte Overwatch. Hein. Overwatch et Rose. Tu joues Overwatch et Rose? Si tu veux jouer Overwatch. Overwatch c'est bien, pourquoi vous jouez jamais Overwatch? Faites de la peine à jouer tout le temps à Rose. Vous gagnez même pas, et Rose faut que tu joues c'est pour gagner, c'est pas pour retourner en rond. Bon, on a fait les PO. Non vas-y, moi je suis chaud pour jouer un petit quelques parties tranquille. En bronze. En bronze, bronze. Bronze 5. Mais je peux pas prêter de compte. J'ai plus trop la main. Ça marche pas. Je vais envoyer au
prêtre, parce que le prêtre, de toute façon, faut qu'il fasse des montures. Ça coûte 5 euros. Ah, moi, il y a un compte Overwatch dessus. Ouais, le compte Heroes, ouais, je suis d'accord, mais le compte Overwatch. Le compte Overwatch, Inch'Allah, c'est 15-20 euros minimum. Non, mais tranquille, mais te fais pas chier, frère. Faites des parties rapides, frère. On fait des parties rapides, on fait vidéo YouTube, on s'entraîne, frère. Faut déjà bien maîtriser le gameplay. Si vous voulez faire des parties rapides, là, je dois faire 3 parties rapides, je suis chaud. Si vous voulez, on se fait ça vite fait, sinon... Sinon, tant pis. Hein. Tu me dis, moi, je suis chaud. Il y a Galouin, là, qui est en train de jouer. Là. Moi, je suis chaud, mais moi, je peux faire 2-3 parties comme ci, comme ça. Il y a Galouin, là, qui est en train. Pas plus. Dans taillé. Ah ils sont. Ah non ils sont gold. En fait j'aurais pu jouer avec eux. Bon, vas-y moi de toute façon je fais ma vidéo tranquille. C'est vrai que le week-end je me dis. C'est vrai que le week-end je trouve que c'est bien de jouer à Heroes. Tu vois. Le week-end c'est bien de proposer du Heroes. Franchement c'est bien. Bon, je vais peut-être faire quelques games roses après ma vidéo. Une vidéo comment faire des gold sur WoW, les amis. Putain, faut que j'achète des minerais qui me permettraient de craft. Les trucs comme ça, les bagues et colliers, mais d'une autre couleur. Parce que ça, c'est maîtrise. Faut que je fasse les autres modèles. Et j'ai pas les minerais. Parce que j'ai voulu les faire la dernière fois. On va juste remettre ça. Heroes faut gagner. Si on joue à Heroes, faut gagner. Le brassard et les autres que je peux pas faire. Ben c'est couture, mais les prix ils augmentent, ils commencent à augmenter. Même si c'est couture, c'est juste ça se vend pas très bien, mais ça se vend quand même. Et il y en a souvent à 500. Mais la couture, on peut descendre à 400. On peut même descendre encore. Voilà, les potions. Là, je dois investir dans les suites de sombre lune, mais il y a trop à investir. Flacon des profondeurs. C'est BFA encore. BFA. Et le Shadowland, ça se vend plus. Hein.
Les prix varient trop. Genre, il est sous la mule des plantes, peut-être. J'envoie sur la mule des plantes parce qu'il faut que j'aille regarder un peu les prix là, comment ça se passe. Ça fait tilter quand même. Que les prix remontent pas là. C'est pas normal. Putain, en 2i, 25 PO. Oh, ça pèse. 2i et 25 PO. What the fuck? What the fuck en 2i? Putain, ouais, non, là c'est vrai que c'est n'importe quoi. Là faut acheter. Faut acheter obligé. Vas-y, on va prendre des en 2i. On pose même pas de questions. On va revenir les gold. C'est pour ça que là les potions ça se vend pas du tout. Endeuillé à 25 PO, 30 PO, 30 PO endeuillé. Endeuillé, c'est le meilleur en plus. On va quand même reposer un peu du BFA. Ah, puis il y a beaucoup. Il y en a pas mal. Ah, ouais, descendre à 200. Là, ça sert même à rien de poser. Ça sert même à rien de poser. Quoique les agis, ça va encore le coup. On va juste poser les BFA pour l'instant. Pour l'instant, on va stocker parce que. Pas assez cher, mon fils. Faire ça se vend bien.
Ok, on va juste poser ça pour l'instant. Ouais, les sacs c'est bloqué là, c'est bloqué là. Je peux peut-être mettre à 169 un peu. 168. Parce que j'en ai beaucoup à 169. Je pense que je vais faire ça parce que ça fait trop longtemps que ça dort là. Les sacs. Va poser du sac. Et du coup, on a tout regardé sur les murs principaux. Je renfoue un peu mes mupes parce que du coup je les avais vidées.
Là, on va faire un petit tour complet des mules, des petites mules là, les mules des fiefs. J'ai plus de PO, faut que j'envoie des PO. J'envoie des PO. Après, j'en ai vendu pas mal des petits trucs comme ça, là, mais ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas à tous les coups. Ah, celui-là aussi, il faut que j'en rende plus haut. Le truc, c'est que je les vends pas cher, quoi. Un cas, c'est pas très cher. Là c'est un peu bloqué parce qu'il n'y a plus trop de PO, j'ai plus de PO sur les mules donc du coup, je peux pas remettre en vente, faut que je renvoie des PO, faut que j'envoie au moins 3-4 000 PO là. Ça plat des ah, j'ai trop misé dans les suites de quêtes là. On voit pas, c'est que ça dort. Ah, j'ai trop misé dans les suites de quêtes, j'ai mal misé en plus. Je voulais me faire la main, mais. Là, je me suis fait la main. Mais... Parce qu'il y a des suites de quêtes à 9K et le truc c'est que pour une fois que tu as terminé la suite de quêtes, ça t'a coûté plus que 9K. Ça t'a coûté au moins 15K quoi. Grosso modo c'est ça. Enfin, voilà, les plantes sont pas chères mais quand même, quand même. Quand même, quand même. Bon, moi de toute façon c'est mort là. Faut que j'envoie des PO en plus sur les mules là. Moi je vais faire ça et puis c'est tout. Moi juste ça en fout un peu parce que ça nous avait un peu affaibli. Attends, c'est qui? Il y a lui aussi. Bah, le truc, c'est que j'avais acheté des encres, les encres qui influent le plus sur le prix des suites de sombre lune, quoi. Des bijoux de sombre lune. J'avais acheté les encres qui influaient le plus, ça avait pris 22K ou presque 25K. C'est pour ça que j'avais pris tous les plots qu'il y avait sur les mules. Donc, voilà.
Voilà, de toute façon, j'ai tout renvoyé à celui qui gère les plantes, parce que là, les plantes, c'est quand même la priorité. Après, ça dépend, parce que j'aurais dû regarder quand même le prix des encres. Mais là, les plantes, ils baissent tellement que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. J'achète des 10-4 plantes et puis. Pour l'instant, on attend, on stocke les plantes. On stocke des potions, on stocke des quêtes de sombre lune. Les cartes de sombre lune, il faudrait que je rachète aussi des cartes de sombre lune. En vrai, avec ce qu'il me reste, il me reste 8 cartes. Je peux acheter des cartes de sombre lune aussi. Je pense qu'on va voir pour les cartes de sombre lune. On va acheter un œil parce qu'il y a quand même quelque chose à faire. Matière à faire. On va quand même regarder. Comme ça, on va regarder ensemble. Ça sera que le truc le plus intéressant de la vidéo. Parce que... Faut, le but, c'est d'avoir un impact sur les quêtes de sombre lune, quoi. Soit en achetant les encres, ou soit en achetant les cartes qui manquent, ou soit en rachetant directement des quêtes de sombre lune. Le truc, c'est que moi j'ai déjà tout fait toutes mes quêtes. Il me reste plus beaucoup de cartes, hein, parce que j'ai tout réussi à mettre en quête quasiment. S'il me reste des cartes là, j'avais mis ici, si, il me reste tout ça. Il me reste des cartes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je voulais aussi. Mettre dans les favoris. Parce que là 9000 ça va pas, c'est pas assez. Faut que je mette dans les favoris en fait. Faut que je mette en putrescence. Putrescence allie en entier. 1, 2, 3, 4 de putrescence. Il manque le 5 de putrescence. Faut que j'aille mettre les suites entières. Le 5 de putrescence. Faut que je mette juste putrescence. C'est galère hein, pour trouver. Donc c'est quoi? C'est le 5, j'ai dit. Le 5 de putrescence. Le 6. De toute façon, tous ceux qui sont pas en favori, en fait, faut que je le mette. Tout simplement, en fait. Tout simplement. Et s'il y a la quête complète, bah, c'est plus simple. Et là, du coup, il y a beaucoup de quêtes complètes. Alors, c'est n'importe quoi. Donc il y a putrescence et après il y a voracité. Voracité. Parce que moi j'ai mis toutes mes cartes, donc du coup je vais pouvoir trouver plus de modèles de cartes. C'est juste j'ai mis cher. Ça je mets tout en favori. Ça va me permettre de compléter la suite plus facilement et voir. Parce que là il y a les 8. Hein. Ouais, il y a les 8. Hein. Les 8 de voracité, il y a les 8 cartes. Il y a toutes les quêtes complètes en fait, bon, clairement. Et après en quiétude. En quiétude. C'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais attendre d'avoir toutes les suites complètes. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque le 6 de quiétude. Il manque le 6 de quiétude. Vas-y, on va tout ajouter. Il manque juste le 6 de quiétude. Et après, j'ai toutes les collections complètes. C'est bien. Il manque que le 6 de quiétude. Quand je mets favori, là, j'ai toutes les suites de sombre. J'ai juste. Il manque juste le 6 de quiétude. Le 6 de quiétude, c'est dommage. Faut que j'arrive à trade ce truc là. Souvent les cartes elles sont dans les 1400 à peu près, j'ai remarqué. La carte à l'unité elle est dans 1400 x 8. Ouais, ça fait 11 cas, ouais, c'est vrai que c'est pas cher.
Les 1400, c'est pas cher de toute façon. Mais je pense en vrai, faut racheter toutes les cartes pas chères. Mais sinon, faut acheter les encres élites là, comme j'ai. Je vais aller voir les encres élites. Non, après, c'est tout. Hein. Suite de s'envoler. Ouais, c'est tout. Il semblait que j'avais des cartes. Attends, c'était ici. Non, j'ai pas de cartes. J'avais pris tout sur moi, j'avais tout mis sur moi, les cartes. Ouais, il manque que le 6 de quiétude, hein, en fait. C'est tout. Tout le reste, il y a tout. Donc après, sinon, il y a les encres paisibles. Voilà, c'est ça. Encres paisibles. Tout ça, faut que je rachète le maximum. Je rachète genre 77. Comme ça, j'ai de l'impact sur les... J'ai de l'impact sur le... sur ça, moi. Ouais, je peux en prendre 55, c'est pas ouf. Mais bon, on continue à investir dans les encres paisibles parce que 119, c'est pas cher. Il en faut pour faire les quêtes... Les quêtes, là. Les suites de quêtes complètes. Pour pouvoir crafter des cartes, il en faut plein, en fait. Ça. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix, ça il en faut pour faire des cartes. Donc c'est pour ça, on va investir maintenant. Tant pis. On va laisser. Bon. Bon voilà, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'on peut faire. Hein. Puis là, j'attends parce que là, vu que j'ai remis les trucs en vente. Ah non, faut que je remette aussi les trucs de. Les trucs que j'avais pas les PO là. Ah, pour l'instant, c'est tout. Hein. Pour l'instant, on fait des petits coups de boost. Boosting gold. On attend que ça proc bien. Faut qu'il y ait un bon proc, un bon truc qui se passe. Un bon proc, bah là, ouais, faudrait un proc sur les suites de Sombre Lune. Tant que je vais pas proquer sur les trucs de Sombre Lune là, ça va être compliqué. Mais ça va venir. Ça va venir. Franchement, ça va venir. Si je rachète les encres là, comme je dis, les encres élites là, moi j'appelle ça élite parce que c'est les encres, on n'a pas le choix, il en faut de toute façon. Pour faire les suites de son volet. Pour crafter les cartes. Donc, si tu auras de l'impact, t'es obligé d'acheter ça logiquement. C'est là où t'as le plus d'impact sur les suites de son volume. Les ondes paisibles. C'est pour ça qu'en ce moment j'investis tout ce que j'ai là-dedans. Y compris j'avais même vidé mes mules pour investir, mais bon, ça c'était un peu ridicule parce que au final ça m'a ralenti. C'est juste que je voulais faire un test pour voir, mais au final ça m'a un peu ralenti. Surtout qu'ils en remettent. C'est que je pensais qu'il y en aurait. Je pensais pas qu'ils en remettraient en fait. Aussi vite, aussi facilement. Mais je pense qu'ils vont vite se calmer. De mettre des encres paisibles à 125 PO là. Moi j'ai calculé d'après mes statistiques, faudrait vendre ça plus cher. Faudrait vendre ça le triple. Hein. Non, 400, 450. Au moins 400 PO minimum. Encre paisible. C'est pour ça que là, 125, je pense qu'il faut tout miser dans l'encre paisible. Tranquillement. Histoire d'avoir un peu de value sur les suites de quêtes. Et après faut que je rachète les suites complètes à 9K. Genre il y en a 4-5 à racheter à chaque fois, ça me fait des bits 50K par-ci par-là à sortir. Donc après 50K, faut que je vende de l'alchimie. L'alchimie Shadowland. Faut que j'ai un gros proc sur l'alchimie Shadowland. Pour l'instant. C'est un peu mort. Sinon faudrait que je baisse les prix des trucs. J'ai pas envie de baisser les prix. Je préfère attendre que ça augmente. Baisser les prix, je trouve pas ça ouf. Normalement c'est rentable quand même, tu vois, si les gens ils baissent les prix, tu baisses les prix, mais après ça dépend. Parce que tu galères à en refaire.
Les stocks, faut les refaire après. Tu baisses les prix, ok, mais les trucs, tu dois les refaire, les stocks. C'est, tu dois recouler des potions, des flacons, des trucs. Ça prend du temps, ces gars. Donc autant attendre que le prix augmente. C'est pas un souci, j'en ai pas crafté trop, tu vois, j'en ai crafté ce qu'il faut. C'est juste j'attends qu'il y ait des procs. J'attends qu'il y ait un bon proc, j'attends bien contrôler un peu paisible et j'attends de voir si je peux contrôler un peu les suites de quêtes. Les bijoux, ça peut être intéressant. C'est tout, hein. J'attends mes trucs de fièvre, j'attends voir si ça peut. Ça peut maintenir un peu de gold, un peu de trésorerie. Ça fait toujours entrer de la trésorerie constamment. Ces petits trucs là. Par un cas, donc. Des fois ça fait du 2K, 3K. Ça, y a pas beaucoup d'items. Après c'est tout, hein. Là on a fait le tour complet. Bon, ce sera tout pour cette session gold. C'est tout, y a plus rien. Bon, je vous laisse les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.